Je me souviens jamais du début de mes rêves. Peut-être que j'entre dans le monde des rêves comme on se réveille d'un cauchemar. Le cauchemar de la vie. Où chaque action qui favorise la survie de mon ADN me procure du plaisir. Où chaque action qui entrave la survie de mon ADN me donne de la douleur. Où la souffrance n'est qu'électron. Où nous ne sommes que les pantins du mécanisme de l'évolution. Et où nous nous prenons tellement au sérieux. Pourquoi sommes-nous si sérieux? Certains disent que le bien c'est la vie et que le mal c'est la mort. Des dinosaures jusqu'aux étoiles, les atomes qui constituent leurs cadavres forment aujourd'hui nos corps. Les mêmes atomes. Il n'y a pas de vie sans mort. Est-ce que le bien et le mal existent quand même? En 1983, Benjamin Libet prouve que l'inconscient prend les décisions d'une demi-seconde avant que l'ordre ne soit transmis aux muscles. L'homme croit être maître de ses actions, alors qu'il n'en est que le spectateur. 30 ans après l'expérience, les prisons existent encore. 30 ans après l'expérience, la colère existe encore. Alors que rien n'a jamais été de la faute de personne. Je décapiterai les ennemis du peuple, sans haine ni violence. Je ferai une montagne de cadavres, et de ce tas d'atomes, naîtra un monde nouveau, où je serai le roi.